Ce mercredi 7 juin, Hugo Riboulet a remporté la saison 14 de Top Chef face à Dany Quetzard. Et en plus de ce titre honorifique, le jeune homme a reçu un beau chèque. Néanmoins, cette coquette somme est très loin des 100 000 euros mis en jeu au total. Comment ça se fait? Si est-il ce que nous allons voir tout de suite. Hugo Riboulet, vainqueur de la 14e édition de Top Chef il y a quelques heures, M6 diffusait la finale de la 14e saison de Top Chef. Un match qui opposait Hugo Riboulet à Dany Quetzard. Victorieux des trois dernières éditions, Hélène Darroze pouvait ajouter une 4e victoire de suite. Cette année, la chef était à la tête de la brigade cachée, qui a permis de repêcher son petit protégé. Éliminé dès le début du concours, le jeune homme a su se remobiliser pour battre l'ensemble de ses adversaires. Malheureusement, la finale était trop haute pour lui. En effet, si est-il le candidat de Philippe Etchebest qui a été sacré grand gagnant de l'édition. Hugo Riboulet s'est imposé lors du duel final, qui consistait à réaliser un menu complet pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. S'ils ont obtenu une égalité parfaite chez les 4 membres du jury, ce sont les voix des volontaires de la Croix-Rouge qui les ont départagées. Et ils ont penché pour le candidat de Philippe Etchebest avec 54,81% des suffrages exprimés. Avec cette victoire, le vainqueur ne se fait pas seulement un nom dans le milieu de la cuisine, il hérite également d'un beau petit chèque. Le gagnant ne repart pas avec les 100 000 euros chaque année, 100 000 euros sont mis en jeu dans le concours culinaire présenté par Stéphane Rothenberg. Sauf que le vainqueur ne touche pas réellement cette somme. En effet, Hugo Riboulet s'est vu décerner un chèque de 54 810 euros. Une somme qui est équivalente à son pourcentage de voix. Une règle qui n'a pas toujours été en vigueur dans l'émission. Il faut savoir que jusqu'en 2013, le gagnant remportait la cagnotte entière. Depuis, le record revient à Camille Delcroix en 2018 avec 66 920 euros. Et la question que l'on pose maintenant, si est-il que va-t-il faire de cet argent? Eh bien, ne comptez pas sur lui pour dilapider les 54 810 euros. En effet, il a déjà plein de projets en tête. Hugo Riboulet va notamment investir un peu d'argent dans le concept de restaurant de street food qu'il va lancer avec Alban. Mais ce n'est pas tout, il compte également mettre de l'argent de côté pour le faire fructifier. Parce que oui, il ne compte pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je vais aussi mettre pas mal de sous de côté pour des projets futurs. 50 000 euros, si est-il une belle somme d'argent, mais ce n'est pas un million non plus. Ça part très vite quand on crée des choses. Donc ce sera dépensé intelligemment. Hugo Riboulet à télé loisirs. Hugo Riboulet a un pacte avec Dany Quetzard avant d'être couronné vainqueur de Top Chef 2023. Hugo Riboulet a dû se préparer pour tenir le rythme effréné imposé par cette finale. 3 jours de préparatifs pour arriver au top le jour J. Une préparation que Dany Quetzard a également fait. Si est-il pourquoi, le gagnant de la 14e saison a décidé de le récompenser. En effet, avant le verdict final, les deux hommes avaient fait un pacte.
Le gagnant donnerait 5000 euros au perdant, il faut savoir qu'on avait fait un petit pacte. On s'était dit que celui qui gagne donnerait 5 000 € au perdant car c'est pas mal d'investissement de faire Top Chef. Et c'est pour que l'autre ne reparte pas sans rien non plus. Une promesse qu'il tiendra sans aucun doute.